Là, on peut remarquer que dans le parc de Process, c'est quand même une ambiance super à la cool. Là, on est samedi 24 novembre. On est à Nantes, on n'a vu aucun gilet jaune. J'ai l'impression que je suis le seul. Je suis le seul gilet jaune, mamie qui nous prend en photo. Voilà, il est sympa ce parc, hein, un endroit un peu bucolique pour venir en famille se détendre le samedi ou le dimanche ou même en semaine. En semaine, il y a pas mal d'étudiants qui viennent. Ils se mettent sur l'herbe là, hop, pour potasser leur cours. Hop, là, il y a même des scouts. Voilà, des scouts, des oiseaux et tout. Puis après, on va aller au jeu là. Il y a un jeu de bobsleigh, c'est fantastique. Voilà, et le parc de Process est doté d'un stade d'athlétisme. Donc, il s'agit d'un jardin à l'anglaise. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, donc la mairie avait réquisitionné en fait les terres là pour planter des patates pour nourrir les Nantais. Donc c'est un des parcs paysagers à l'ouest. Là, on est à l'ouest de Nantes, vers Saint-Herblain, Vannes, au nord-ouest. Donc le parc de Process, hein, grossièrement la forme d'un trapèze. Et du coup, là on est sur les pentes nord du vallon de Chézine. Parce qu'en fait, en bas du parc, il y a un cours d'eau qui s'appelle la Chézine. Et qui donne une petite balade sympathique. On voit qu'il y a des joggers aussi. Qui donne une balade sympathique pour aller jusqu'à Saint-Herblain, en fait, vers l'ouest de Nantes. La vallée de la Chézine, ça s'appelle. Au parc de Process, on a le Baby Bob. C'est excellent. Voilà, il y a des règles. Hein. Au Baby Bob du parc de Process, les enfants, ils poussent tout seuls leur bobsleigh. Coucou! Coucou! Oh. Et du coup, au parc de Process, si vous venez en camping-car, en famille, avec les enfants ou avec les petits-enfants, donc il y a non seulement le Baby Bob, mais il y a aussi le manège. Alors, vos impressions? Bien. C'est bien? Toi aussi? Oui. Oui. Ah. Voilà, le manège du parc de Process, autant vous dire que le week-end, il ne désemplit pas. C'est un truc de fou. Mais c'est toujours bien cool de venir ici. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde, c'est bien. Puis du coup, ça vous fait visiter un peu Nantes. Voilà, bah, comme je vous le disais juste avant, donc là on arrive sous le pont Jules César. C'est le pont Jules César, et puis ici, voilà, c'est toute la promenade pour les joggers et tout. Ça s'appelle Val de Chézine. Voilà, la Chézine, c'est la petite rivière qui est là, quoi. C'est un peu crade, là, en ce moment. C'est l'automne, hein, faut dire. Puis bon, bah, c'est le paradis du jogger, quoi, voilà. Il n'y a pas trop de champignons ici, enfin, j'ai jamais été voir, à vrai dire, mais enfin. Voilà, donc là, on va jusqu'à hyper loin, jusqu'à Saint-Herblain, voilà. C'est cool. Et puis, bah, le pont Jules César, voilà. Il est chouette. Chouette comme tout. Il y a un petit air de Noël quand même, hein, dans l'air.
Et voilà, c'est la fin de la visite du parc de Procès. Donc j'ai pas tout dit, hein. Là on a fait juste les hauteurs ici, il y a encore tout le bas là-bas. Et puis pour la petite information, ça c'est le manoir de Procès, donc il a été construit en 1789. Entre temps il a été démoli, il a été reconstruit en 1830. Et pour information, ça c'est, j'ai entendu dire que c'était un super resto. Donc voilà, si vous cherchez un endroit où dîner. Donc pour se garer en camping-car, par contre là c'est pas vraiment le quartier quoi. C'est pas du tout le quartier même. On va essayer de vous trouver un endroit dans toute cette playlist sur la ville de Nantes. Ah, c'est super hein. Voilà le pont Jules César, mais vu d'en haut. La Chésine qui est là, on verra pas grand chose dans la caméra. Dans le film, vous savez. Voilà, quand on prend à droite là, c'est direction Vannes. Mais nous, on tourne en ville, donc on va prendre à gauche, direction centre-ville. Voilà, certains, Saint-Herblain, Vannes.